Bonjour à toi, à tous, c'est Monsieur Judo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode de Montage des NIS. Avant de commencer cet épisode, on va bien évidemment se lancer le générique, du coup, c'est parti. Donc voilà, on est parti pour ce 14e épisode. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va essayer de s'améliorer nos 4 tours de sorcier, et si on n'y arrive pas, on s'en améliorera 3 je pense, et le dernier mortier, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal parce qu'il nous faudrait 16 800 000, donc je suis pas certain qu'on farme ça dans cet épisode, ou alors on s'améliorera un canon, on verra, le mortier et le canon, ça nous coûtera peut-être moins cher. On va voir ça, en tout cas on va directement se commencer, on va s'améliorer également le roi au niveau 39, écoutez, ça pourrait être plutôt sympathique. Dans le laboratoire, on va voir, on va essayer de s'améliorer les mineurs, bon du coup on aurait déjà assez, mais il faudrait attendre du coup que le laboratoire se termine. Donc on va commencer directement par s'améliorer 2 tours de sorcier au niveau 9 directement, boum, hop. Voilà, on va récupérer un petit peu toutes les ressources qu'on a dans la trésorerie. Du coup, on est déjà à 2 millions, donc il nous faudrait 6 millions à farmer. Ça ferait un petit peu beaucoup, mais on va voir. On va partir farmer directement. Écoutez, partons directement farmer. On s'améliorera également des petits murs, vu que les mineurs coûtent pas forcément très très cher, il me semble. On va s'améliorer également des murs, je pense. Ça pourrait être plutôt sympathique. Écoutez, du coup, on va essayer de se trouver un maximum de ressources. On va voir si on peut se trouver ça assez rapidement, tout simplement, on va voir si on peut se trouver ça assez rapidement, sinon ce qu'on peut faire également, ici à 440 000 en vrai, ça me chauffe de l'attaquer, c'est quand même un HDV9, donc en vrai on va l'attaquer, on va pas perdre de temps, on va partir l'attaquer directement, écoutez, et on va voir si on peut se trouver des choses assez sympathiques. Bon, vous pouvez voir que j'ai encore pas beaucoup de gemmes, hein, j'ai pas encore réussi à rattraper toutes les gemmes que j'avais dépensé dans le dernier épisode, j'ai pas du tout rattrapé, donc on va voir ce que ça peut donner ici. En tout cas, on va faire le 50 aisément, et ça c'est plutôt sympathique déjà, c'est plutôt cool. Écoutez, du coup, si ça pouvait aller prendre cette petite réserve par ici, ce serait plutôt cool, mais bon, là on a le roi qui s'en va là-bas, bon, je me sens bien parti pour tourner le roi malheureusement, je sais pas trop où il va aller. Ok, la reine par ici, c'est pas trop ce qui nous intéresse. On va voir ce que ça peut donner. Écoutez, est-ce qu'elle pourrait aller nous chercher, non, elle tourne complètement. Ouais, elle va pas aller nous chercher cette réserve d'or, je pense. C'est dommage. Allez, on espère que les troupes là vont être intelligentes. On va foudrer par ici. Écoutez, comme ça, boum, ça va pouvoir aller tout droit. Ok, la reine revient finalement. On va activer sa capa directement. On va activer la capa du roi. Parfait, on aura tout pris. On s'en va directement. On aura pris 280 000. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Écoutez. On reforme directement, on repart, on va essayer de se faire les petits vengeances comme dans le dernier épisode, écoutez, vite fait, on va voir si on peut se trouver des choses assez sympas, du coup on va essayer de se faire les petites vengeances, vite fait, et voir si s'il peut y avoir des choses sympathiques, écoutez, comme dans le dernier épisode, du coup, hop, on vérifie directement, ok, et après c'est les vengeances que, c'est les vengeances qui ne marchent plus après, si, ok, si on est ici, on a 520 000, je me sens pas trop chaud de l'attaquer, enfin, je me sens pas trop chaud de l'attaquer, voilà, je me sens pas trop chaud de l'attaquer, ici on a 622 000, c'est pas terrible, enfin c'est pas terrible, ouais c'est pas ouf, on a connu mieux, ici on a 557 000, là par contre c'est mieux, parce qu'il a pas mal de ressources dehors, écoutez, c'est plutôt cool, hop, du coup on va dépenser toutes nos troupes, on va un petit peu chercher tout autour les ressources directement, on va voir si on peut prendre beaucoup ou pas, ou s'il y a vraiment pas mal dans les réserves, on va voir ça directement, donc là on est déjà à 30%, c'est plutôt cool, 33%, et on a la petite mine en haut qui n'a pas été prise parce qu'il y a la reine devant, ok, on a foudré la reine, c'est cool, hop, là-haut on peut se récupérer également pas mal, on est déjà à 44%, je pense que le 50 on va pouvoir le faire dans tous les cas avec avec nos sorts de foudre, le 50 il est acquis, ça il n'y a pas trop de problème. Écoutez, hop, on récupère ça directement. Ça peut même aller récupérer cette petite réserve d'or, tout simplement, on est à 48%. Hop, on envoie deux foudres ici et puis c'est bon, on a fait le 50%. Écoutez, on est quasiment à 3 millions, ça fait plaisir, même s'il reste encore pas mal du coup à farmer. Hop, et les gemmes, ça coûte très très cher, donc je pense qu'on va, je pense qu'on va rebooster, écoutez, on va rebooster les petites cavernes. Directement, on va voir si on peut aller chercher des ressources directement en première recherche, 888 000,
d'or, tout simplement 888 000 d'or. Ça, c'est plutôt cool, les amis. C'est plutôt cool. On a également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élixir. Donc, ça, c'est encore une fois plutôt cool. Du coup, on va essayer d'aller chercher tout ça. C'est sur un HDV 10 maxé. Mais écoutez, c'est pas grave. Et du coup, dans le prochain épisode, les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'améliorer nos deux héros. On va se maxer nos deux héros, tout simplement parce que j'ai récupéré le livre des héros qu'il y avait dans le pass de cette saison, de la saison de mai. J'ai récupéré tout simplement le livre des héros, ce qui fait que dans le prochain épisode, on va s'améliorer l'arène au niveau 40, on va se la terminer et on va s'améliorer le roi 40. Donc je pense que ça vous fera très 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 plaisir. L'HDV 10 qui se rapproche quand même de sa fin, hein. Mine de rien, je m'en rendais pas compte jusque là, mais il se max l'HDV, il se max. Est-ce que l'arène peut aller nous chercher la petite réserve d'or? Écoutez, c'est toujours ça en plus. C'est parfait, comme ça on aura pris 673 000. On a également le bonus étoile qu'on va récupérer. Écoutez, boum, le petit bonus étoile, on est à 4 200 000. Donc en théorie, on est à la moitié. On peut se améliorer une tour de sorcier, on peut même s'améliorer des murs. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va s'améliorer des petits murs. Hop, on peut s'améliorer ça. Juste les mineurs, ça coûte combien? Ça coûte 4 millions. Ok, donc on va faire en sorte qu'il nous reste 4 millions. Je pense que ça peut être fait très facilement. Ok, on continue. Du coup, hop, on regemme directement. Bon, pour les prochaines, je vais pas gemmer, je vais faire des coupures. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Par contre, oh, on a 12 000 d'or. C'est pas ouf. c'est pas ouf. Donc, faudrait vite trouver des ressources parce que sinon, on va pas faire beaucoup de recherches. Sinon, on va se tester les vengeances au pire. C'est pas si grave. On va se retester les vengeances, écoutez, vu qu'on a plus beaucoup de ressources. Du coup, c'est qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté au moins 32, je crois. Hop. Et après, je crois que c'est le truc qui date d'il y a... Ouais, ça date d'il y a longtemps. Donc, ouh, 1 million! J'allais dire, on va pas forcément trouver grand-chose, mais si! Ici, on a 1 million! On a 1 million! Donc, en fait, si, on peut se trouver des choses cool. On peut se trouver des choses bien, bien cool, écoutez. Hop, donc là, on va essayer de se récupérer un maximum de ressources. Hop, on envoie les derniers barbares, on envoie les archers. On va envoyer nos deux héros en haut, parce que c'est là où il y a le plus de ressources. Directement. Bon, il y a une réserve au centre qu'on va pas pouvoir aller chercher, malheureusement. C'est pas si grave. Écoutez, on est déjà à 35%. Ça fait plaisir, écoutez. Ça fait plaisir. On est à 45%. On va faire le 50 sans trop de problèmes. Il reste 340 000, hein. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher par ici? Non, il y a l'Arkix. Dans tous les cas, on n'aurait pas pu aller chercher grand-chose. Hop, ici, on va essayer de se foudrer tout ça. De sorte à ce que la reine puisse aller chercher cette réserve d'or. Hop, on met la capa, on met tout. C'est très bien, on s'en va directement. On aura pris 840 000, ce qui fait très très plaisir. Écoutez, ça fait super plaisir. Voilà, ça fait très plaisir. Écoutez, on a toujours 234 000 ici qu'on peut récupérer. Comme ça, on peut continuer à s'améliorer des petits murs. Parfait, on s'améliore des petits murs. Écoutez, hop, du coup, ce qu'on va faire, bon, cette fois-ci, on va gemmer, il nous reste 4 gemmes dans tous les cas, donc là, on va plus pouvoir gemmer, on va plus pouvoir trop gemmer, là, donc, du coup, après, je vous ferai des coupures. Du coup, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'améliorer la dernière tour de sorcier, on va s'améliorer un canon, tout simplement, comme ça, on aura juste 700 000 à farmer, ce sera beaucoup plus simple. Écoutez, parfait, on a 800 000. On va pas aller farmer la dernière tour de sorcier, on va se farmer le dernier canon au niveau 12, écoutez, on se farmera peut-être dans le prochain épisode la dernière tour de sorcier, comme ça on s'améliorera la dernière tour de sorcier, le dernier mortier, écoutez, je pense que ça fera plutôt plaisir, et en plus on s'améliorera nos deux héros, on s'améliorera peut-être une tour d'archer ou truc comme ça, on verra. Du coup ici on a récupéré pas mal de choses, c'est parfait, écoutez, hop, on est à 44%, on est également pas mal niveau élixir noir, ça c'est vachement cool niveau élixir noir, on est vraiment pas mal du tout. Hop, on va s'envoyer les deux héros, écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va activer la capa du roi assez rapidement, parfait, comme ça il va pouvoir bien rentrer, parfait, il est rentré pour aller chercher l'élixir noir, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez, maintenant on va faire le 50, c'est parfait, le 50 qui est effectué. Ok, il nous manque pas grand chose du tout, il nous manque 100 000, écoutez, ça fait plaisir, bon là, on va essayer de trouver 100 000 juste avec les héros, on va essayer de se faire 100 000 juste avec les héros, écoutez, ça pourrait être plutôt cool, ou alors on va se faire dans une vengeance, encore une fois, on va se faire encore une fois dans une vengeance, du coup, où c'est qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté par ici, je crois. Hop, hop, on va tester vite fait les villages, boum, ok, celui-là on l'avait fait dans le dernier épisode. Ici, qu'avons-nous là? On a 156 000, c'est pas terrible, du coup c'est sur lequel que j'ai cliqué, je sais plus. Hop, ici, qu'avons-nous là? 320 000, c'est pas assez, hop,
Ici, on a quoi? Ici, on a 91 000. C'est toujours pas assez. Écoutez, bam, on continue, on continue. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? 320 000. C'est pas assez. Allez, on veut trouver du lourd là. Qu'est-ce qu'on a là? On a 500 000. 500 000 qui vont être compliqués à chercher. Juste à ce qu'on a. Ok. Ok. Ici, on a 489 000. Mais c'est pas mal rentré. Hop, on teste la dernière vengeance directement. Ok, on est là. 720 000. Ok, 720 000, il y a moyen de se faire quelque chose. On va balancer tous nos barbares, écoutez. On va se balancer nos sorts de foudre, notre roi. Ok, tac. On se balance le roi. On va se balancer la reine derrière, écoutez. Si on peut aller chercher les deux réserves. Dans tous les cas, on a déjà assez. On a déjà tout récupéré ce qu'il nous fallait. Donc c'est parfait, écoutez. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hop, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher les 50 juste avec nos deux héros. Mais bon, ça serait drôle si on pouvait se le faire. Il nous reste un sort de foudre qu'on va dépenser ici. Écoutez, hop, on active la capa du roi. Malheureusement, la reine qui est pas allée chercher l'autre réserve, c'est pas si grave. Écoutez, on est à 39%. Ouais, non, il y a un CDC en plus. On va pas pouvoir aller faire le 50, malheureusement. C'est pas grave, écoutez. C'est pas si grave. Voilà. Hop, on est à 42%. Dans tous les cas, ça va pas aller chercher. On va s'arrêter ici directement. On va s'améliorer du coup le canon. Le canon qui est ici directement. Boum. On s'améliore le canon et bien sûr, je ne l'oublie pas, on va s'améliorer le roi au niveau 39. Du coup, 3, 2, 1, boum, le roi qui est amélioré. Du coup, pour le prochain épisode, je pense qu'il va falloir au moins 160 000. Donc, je vais essayer de farmer ça. Pourquoi pas en live, ça pourrait être plutôt cool. Bon, malheureusement, les dragons, je pourrais pas les améliorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher maintenant l'amélioration des mineurs, tout simplement. Voilà, je vais le faire de mon côté et je vous mets l'amélioration des mineurs directement là maintenant tout de suite. Écoutez, ça pourrait être plutôt sympa. Je vous mets l'amélioration des mineurs juste maintenant tout de suite. Du coup, 3, 2, 1, vous l'avez maintenant. Vous venez de voir l'amélioration des mineurs. Voilà les potes, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochains épisodes ou les prochaines vidéos sur Clash of Clans. N'hésitez pas également à compter cette vidéo, à la partager et à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et sur ce CTGD. Et moi je vous dis bye tout le monde.